Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette petite vidéo, je vais vous avertir concernant une petite arnaque qu'on peut faire sur l'ordinateur. Donc, par exemple, si vous achetez des ordinateurs utilisés, par exemple, donc, ou bien un nouveau ordinateur, donc sur n'importe quel ordinateur avec sur un système d'exploitation Windows, on peut faire un petit truc. On peut changer la description du processeur ou bien la fréquence de votre processeur. Donc pour ça, vous allez sur votre ordinateur propriété. Donc comme vous voyez ici, par exemple, c'est un vieux ordinateur avec un i3 et un processeur de 5. Donc par exemple, cette valeur-là, si vous croyez que c'est inchangeable, donc ça l'est. Donc ça peut être changé. Donc le changement, c'est très simple. Donc il suffit seulement qu'on aille sur Reg Edit. Donc et après, c'est le registre système. Et après, on donne l'autorisation, bien sûr. On va y aller sur Key Local Machine. Et après, Hardware. On ouvre le tiroir et après description, on ouvre le tiroir aussi et après système, la même chose et central processeur et la valeur ou bien le répertoire 0. Donc on va y aller sur, donc c'est toutes les informations concernant le processeur et les informations affichées. Par exemple ici pour le processeur, je peux le changer par exemple en i7 et je peux donner une vitesse de 3 GHz par exemple. Donc i7 5e génération et 3 5 GHz. Donc et voilà, donc si je reviens sur la propriété, par exemple ici c'est pas encore rafraîchi, je vais fermer cette fenêtre et je vais la réouvrir. Donc je vais la fermer carrément et je vais cliquer sur, avec un clic droit sur le menu contextuel propriété, et comme vous voyez, la valeur a été changée. J'ai un i7 en 3e génération avec plusieurs processeurs. Donc, si vous désirez acheter un ordinateur, il faut se fier que aux valeurs du BIOS, ou bien il faut être muni d'un technicien qui va vous vérifier cette valeur-là. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous n'êtes pas, je vous invite à s'abonner, à liker cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.